안녕하세요. 저는 민이고요. 한국어 수업에 오신 것을 환영합니다. 안녕. Bonjour à tous, c'est Mine et j'espère que vous allez tous bien. Ça fait déjà 6 mois qu'on a fini la première partie de mes premiers pas en coréen. Et aujourd'hui, on va enfin commencer le 12e et le dernier volume de MPPC. Donc, dans cette vidéo, je vous présenterai le volume 2. Qu'est-ce que vous allez apprendre et comment vous pouvez travailler avec cette série pour avoir le meilleur résultat. Dans le volume 1, on a vu du chapitre 0 au 4. Donc, le 0 était une introduction à la langue coréenne. Dans le chapitre 1, j'avais appris quelques expressions de base. Et puis, le chapitre 2, il y avait la conjugaison de ida pour présenter votre nom, prénom, métier et la nationalité. Ensuite, le chapitre 3 était la conjugaison de hada pour parler des activités, ce que vous faites. Et enfin, le chapitre 4, on a vu le verbe ita, opta, pour parler de la localité et la position. Et le volume 2, ou niveau 1.2, il est conçu de 4 chapitres suivants, donc du chapitre 5 au 8. Et vu que c'est la dernière partie de niveau 1.1, vous allez apprendre tout ce qui reste à savoir dans ce niveau. Donc, dans le chapitre 5, vous allez surtout travailler sur la conjugaison du présent. On va utiliser beaucoup de prédicats pour pratiquer la conjugaison et on verra aussi comment parler de sa position et désigner un objet ou un endroit. Et aussi plusieurs manières de faire des phrases négatives et comparatives. Et je consacrerai le chapitre 6 pour apprendre les nombres. Les nombres en coréen, c'est un peu compliqué, mais c'est très important. Et ici, vous allez apprendre 12 systèmes numéraux et comment parler de la date, le prix, la quantité, le temps, etc. Dans le chapitre 7, vous allez apprendre comment faire des phrases plus complexes, surtout avec le temps passé, présent et progressif. Vous verrez comment faire une phrase subordonnée et comment expliquer la raison et la conséquence, ainsi que les conjugaisons des différents temps. Et enfin, le chapitre 8, vous allez voir des terminaisons et des motos pour parler de la possibilité, la volonté, l'obligation, etc. Et aussi le futur et l'impératif pour demander une faveur, comme s'il vous plaît, s'il te plaît, etc. Et la nominalisation et de faire une groupe nominale qui vous permettrait de faire des phrases plus longues et plus complexes. Alors, il y a 18 leçons segmentées au total. Pour apprendre 38 points de grammaire et 250 mots. Comme le niveau 1.1.1, le niveau 1.1.2 est aussi conçu de deux parties, le livre et la vidéo. Et je vous conseille fortement de bien équilibrer entre les deux. Dans le deuxième volume, j'ai mis la liste de vocabulaire au début de chaque leçon, pour que vous puissiez les apprendre d'abord. Puis, je vous invite à lire le cours attentivement. Les leçons de grammaire sont tous rédigées en français, donc vous pourriez déjà comprendre et apprendre pas mal de choses dans cette étape. Une fois que vous avez fini la lecture, je vous invite à regarder la vidéo. Et en volume 2, il y aura un grand changement, parce que les vidéos sont principalement filmées en coréen. J'explique assez lentement et clairement en coréen, avec des notes et sous-titres en coréen, donc vous pouvez l'utiliser pour réviser ce que vous avez appris en lecture, mais aussi pour travailler la compréhension orale et pratiquer votre prononciation. De plus, si vous avez toujours mal à comprendre la vidéo qui est en coréen, c'est pas du tout grave au niveau débutant, c'est complètement normal. Donc je vais aussi cacher les sous-titres traduits en français que vous pouvez mettre si vous voulez. Après avoir regardé la vidéo, prenez du temps à relire le cours et assurez-vous si vous avez tous compris et s'il y a plus de mots que vous ne connaissez pas. Ça pourrait prendre assez long, certains pour le faire dans une journée,
mais l'autre aurait besoin quelques jours ou quelques semaines. Donc ne vous comparez pas aux autres, mais suivez votre propre rythme. À la fin, répondez aux exercices et comparez vos réponses aux corrigées. J'ai essayé de mettre toutes les réponses possibles, mais si vous avez doutes, n'hésitez pas à me demander. Vous pouvez laisser un commentaire sur la vidéo de la leçon et je vous répondrai dans les meilleurs délais. Dans votre manuel, il y a aussi des bilans à la fin de chaque chapitre, donc n'oubliez pas de le faire. Et vous pouvez revoir les vidéos plusieurs fois ou même juste l'audio si vous êtes bien habitué au contenu et vous n'avez plus besoin de sous-titres. Alors, moi je vais poster une vidéo chaque semaine, donc on se verra pendant 18 semaines. Mais vous pouvez prendre plus de temps pour compléter le manuel. Et une fois que vous avez tout fini, je vous conseille d'aller préparer à l'examen TOEIC ou au moins l'examen blanc si vous ne voulez pas vous inscrire pour le certificat. Vous pouvez le faire sans ou avec des manuels tout sur le TOEIC, mais de toute façon, je vous conseille fortement de répondre et corriger au moins une ou deux examens. Parce que c'est la meilleure manière de vous assurer que vous connaissez tout ce qu'il faut dans ce niveau et vous êtes prête à passer au niveau A2. Alors, c'est la fin de l'introduction. Travaillez bien avec MPPC et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. Vous pouvez aussi trouver le compte Apprendre le coréen avec Min sur l'Instagram et partager vos notes, photos et commentaires en utilisant hashtag Learn Korean with me. Donc, j'espère que vous aimez bien cette série. On se voit à la leçon 19. À très bientôt. 공부 열심히 하시고요. 수업에서 뵙겠습니다. 안녕히 가세요. 안녕.